Papa. C'est bien. Après, alors, moi personnellement, je dis ça comme ça devant ta fille, Pascal. C'est plus un truc de mec. Non, c'est pas. Je ne veux pas en arriver là parce que moi je suis loin d'être un. Ouais, moi ça quand même toi. Moi je dis, quand t'as une fille qui pratique le Muay Thai ou le kickboxing, bon quand t'as un peu mignon comme ça, tu lui fais de la compète pour jouer. C'est sympa, après c'est. Après, moi je suis pas du tout pour ça. Non, mais... C'est un sport de tu prends un coup de coupe dans la tu bouche, ton nez par là, ouais. T'as des... Tu sais, moi, c'est des trucs comme ça. Mais... Quand NJ, elle a décidé, quand on avait décidé d'arrêter après son truc, là, il y a deux ans, honnêtement, c'est comme j'étais heureux. Moi je veux qu'elle s'entraîne pour se faire plaisir. Mais... Tu t'entraînes. Il faut savoir voilà. Pour te défendre, pour apprendre, là, pour apprendre aux autres, pour plaisir, plaisir pour la sécurité. Mais parce après... que c'est pas de quoi savoir se défendre, c'est voilà, exactement. C'est une sécurité, surtout avec le nouveau qui traîne en ce moment. C'est une sécurité. Mais après, faire de la boxe dans le haut niveau. Moi c'est franchement, moi j'ai deux garçons. Je veux pas. Je te jure sur la tête de mes enfants, je veux pas. Tous mes potes me disent, j'ai dit, je ne veux pas. J'ai 115 combats. Je sais ce que c'est. C'est un sport de clochard déjà pour commencer. Parce que si c'était un truc où il y a des gens qui gagnent. Toi, tu sais, ta famille à l'abri et tout. Tu te dis, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Là, tu te dis, bon, allez, vas-y. Mais moi, j'ai. Aujourd'hui, j'ai la maladie de Ménière. Donc, des fois, je vais parler avec toi et pas. Dans les pommes, vertige rotatoire et tout, je suis tout donc, plein de trucs comme ça, des séquelles, j'ai fini, tu j'ai fini ce bras-là, j'arrive à faire ça, celui-là il bloque, je ne peux plus descendre, je ne peux plus, n'est-ce pas, mon papa, boxe en Thaïlande, avec Pascal Lafleur, je fais du kick, on me dit, boxe en Thaïlande, vas-y, tu sais nous, à l'ancienne, j'ai commencé, on n'avait pas de coach qui nous supervisait plus que ça, c'était plus ça. Au cœur, allez, vas-y, on y va. Au mental, je tombe sur un taille, il m'a boxé avec une jambe. Que des middle, jambe gauche. Ça n'était comme ça. Il m'a démonté le coup. Moi, j'étais là. À l'appel de la quatrième entrée, je fais Pascal, j'arrive plus à. Rapatrier d'urgence, parce que vous serez repéré là-bas. Rapatrier d'urgence. Bah, truc de fou après des ouvertures là. Non mais c'est clair, de toute façon. Des côtes, moi j'ai une côte. Et là ici là tu relances, tu fais ça, tu fais ça. Et non, toi, tu fais des libérations, de toutes les blessures, de toutes les blessures. C'est sûr que... Après on aime ça. Maintenant, ça aurait été beaucoup plus. Non, c'est pas là. Hein. Ah ouais. Ça aurait été beaucoup plus. Mais attention, la nouvelle génération. Mais ils ont c'est ça. Voilà. Parce que moi c'est ce que je disais à Johan Lidon. Tu sais que mon yo-yo maintenant il prend 15 000 euros. Pas mal. Mais il est grand, toi. C'est bien. C'est moi ça, je peux le faire aussi. T'as mis le charbon. Boxe gratuit. Le boxe est gratuit, Pascal. Non, t'as les classes, t'as les classes. Le boxe est gratuit. Je boxe pour 200 francs à l'époque. 200 francs, 300 francs. Moi, le maximum que j'ai pris, c'était en Italie, à l'OM. J'avais pris l'équivalent. Moi, le dernier que j'ai fait, c'est dans ce qu'on fait. Moi aussi, c'est en Italie. Non, c'est pas plus, parce que je crois que la prime de départ, pour le la prime de départ, c'est 500 euros. Le départ, c'est pas mal. C'est parce qu'on a aimé ça, parce que
mais il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui ont cru que. Et moi, Dieu seul sait que il y a eu des mecs qui étaient beaucoup plus forts que Farid Diop. Un mec qui s'appelle Saïd Daoud. Oh, il est tueur. Il mettait Farid dans l'eau, Farid Diop, il est avec lui. Oh, un tueur. Il s'installait dans le monde. Il est venu dans le monde.